Bonjour à tous et bienvenue sur la Bonjour. chaîne Tony RC. Aujourd'hui, je suis chez Charles. Donc là, on est dans l'antre carrément de mon atelier. C'est un peu le bazar, hein, vous ne regarderez pas trop sur les côtés. Il faut tout de suite préciser que Charles, c'est un passionné de Tamiya. De la marque Tamiya. Alors, il y en a un peu partout chez lui. Alors Charles, tu à quel âge tu pratiques à peu près depuis combien de temps? Je viens d'avoir mes 36 ans, j'en ai fait quand j'étais jeune entre 14 et 20 ans, après les études m'ont fait arrêter, et j'ai repris donc il y a 3 ans avec mes petits-neveux qui fallait les remettre sur roue, donc pour le coup on a pris des Tamiya pour les neveux avec des Neo Fighter. Un peu tout, mes premiers buggy et notamment mon Dynastorm. Parce que tu as commencé par... Par celle-ci, donc une Dynastorm qui était un 4x2 Tamiya, typé issu d'une compétition d'un TRF200X. Alors Dynastorm qui est aujourd'hui des voitures très recherchées hein, quand même. Et sa copine ici en Shelf Queen qui n'a jamais trop vu la route, on va dire ça comme ça. Quelle qui est moins animée. 88-90, faudrait que je regarde un petit peu. D'accord. Voilà, donc voilà l'astuce du grand frère qu'il faut que je remette en route. Alors ça date hein, parce que moi quand j'ai roulé c'était vers les années 92. C'est ça. Donc c'est pareil, c'est Aigresse, la même année, hein, je crois que c'est des voitures qui ont 30 ans hein, maintenant. C'est ça. Voilà, tout à fait. Donc les Dynastorm, je les remontre avec un. J'ai rajouté un peu de lumière pour vous. Ça va être plus sympa à voir. Voilà. Et ça, c'est quoi? Alors, c'est un Neo Scratcher. C'est une version Neo Retro d'un modèle qui était le Scratcher. Le Terra Scorcher. Terra Scorcher, c'est ça. Et oui, à part que t'as pas les autocollants. Acheté d'occasion, peinte par l'extérieur. Peinte par l'extérieur, ça se voit, ouais. Tout à fait. Mais, ouais, on arrive à voir. Ce qui était intéressant, c'était de récupérer des amortisseurs orange, jaune. Parce que c'est ce qui est très spécifique sur l'astute et je voulais remettre des amortisseurs ah oui, plus récents. T'as les jaunes ici, ouais, tout à fait. C'était un des éléments précis. Donc voilà, après il y a d'autres modèles, je vais pas tous les citer, la Mantaré. Ah oh, ben si, on veut des noms, la Mantaré. Ouais, qui est aussi de ces années-là, qui était la version low cost du Top Force. D'accord, alors je vois que tu t'es fait des supports de voiture. Tout à fait, en impression 3D, ça va être... Alors on sort de la collection, mais regardez... Alors, ça sera un des sujets de la deuxième vidéo, vous allez voir. Hop. Donc, la Mantaré. Alors, une voiture verte ici, à 6 roues, comme mon bus. Mon frère avait un Bullet peint en vert. Donc, c'est le Bigfoot de chez Tamiya. Et pour le coup, j'ai acheté ce Kong Head et j'ai refait comme le Bullet de mon frère. Donc, il a les stickers, les flammes qui ont été mis à l'échelle 1/18, donc plus petit. On va se faire une vidéo un jour ensemble avec ces trucs-là. Hein. Ma première voiture piste... Une Subaru Impreza WRC sur un châssis TA03F, donc un châssis à courroie. Donc ça, ça a été vraiment mon premier châssis. Et après, je suis passé sur mon châssis fétiche, mon TA04 Pro. Donc là, on est dans les années 2000. TA04 Pro qui était aujourd'hui comme le TA08 Pro. Le modèle, un seul modèle dans la gamme. Et après, j'en développe plus. D'ailleurs, j'en profite puisque j'ai vu que t'en as acheté un. Hein. Il a fallu acheter en effet le digne successeur. Le châssis de mes 35 ans, un TRF414 que j'ai toujours rêvé quand j'étais jeune. Et donc, pour le coup, j'ai pu réaliser ce rêve quand j'étais plus grand. que Charles garde bien les boîtes. Et c'est vrai que... C'est important. Voilà. Donc, ça, c'est le TA04R. C'est du châssis TA04, mais avec des parties en carbone SSG, donc additionné d'aluminium pour encore plus alléger le carbone. Donc, c'est du carbone léger. C'est beau. Et qui est de couleur... aluminium, c'est assez joli. Il y a un châssis qui arrive complet. Donc ça, ce châssis, il est acheté d'occasion, mais complet, neuf, en boîte. Pas beaucoup roulé, voire pas du tout. Oui, pas du... Non, c'est neuf, ça. Non, il était en très très bon état. Donc voilà, ça c'était ça. Donc voilà, beaucoup de projets en parallèle. Celui-là roule pas encore. Oui. Ok. Celui-là, c'est quoi, ça? C'est le... Ça? Non, le châssis qui est dedans. Ah, ça, c'est un M06, c'est la Beetle. D'accord. Ok. C'est la Beetle. Alors, on était sur les boîtes ici. Ouais, des boîtes. Après, là, toutes ne sont pas remplies du modèle. Là, c'est principalement pour les pneus TT. Là, c'est pour les pneus route. La Volkswagen Touareg. Ouais, je ne l'ai pas du tout. Hein. C'est parce que j'ai récupéré cette boîte, on me l'a donné. D'accord. Ça, c'est les deux M châssis qui sont là-bas. Ok, donc là, le... pareil, acheté d'occasion récemment. Ah, ça va plaire à notre Suisse, une Alfa Romeo. Tout à fait. Bon, allez, on court de... Finition de peinture ici, je suis en train de peindre les calandres. Et là, je vois que tu as la boîte de la voiture que j'ai achetée occasion. C'est pas la même, c'est pas la version plus vieille, c'est la C-Class, c'est les années juste avant. Ouais. Il y en a encore en dessous. Mais... Ah oui, il y en a encore. Il y en a...
Il y en a toujours partout. D'accord. Ça, c'est mon XV01. Ah, donc le châssis rallye spécifique rallye. Tout à fait. Parce que moi, je suis en train de monter la 2 chevaux, mais qui est un châssis déclinaison rallye. Ouais. Et alors ici, une Mitsubishi Lancer Evo. Pareil, acheté d'occasion avec TB01. Acheté pas long, il y a pas longtemps pour accompagner ma Subaru parce qu'elle était toute seule et c'est pas rigolo d'avoir qu'une voiture rallye. Là, il y a des pièces Futaba, des pièces Tamiya, le TA04 Pro. Et c'est... ça, c'est un achat récent parce qu'il y a des bons plans à droite, à gauche. Voilà, donc ça, c'est pas encore monté, c'est encore sous blister. Voilà, le châssis ici, il y a des boîtes en haut, c'est pas les boîtes Tamiya, mais il y a un Hummer, il y a une Formule 1, une Ferrari, un Dyna Blaster en pièces. Ok. Alors, après, on va passer ici, là, sur l'étagère, vite fait. Sur l'étagère du dessus. Allez, on commence. Ici, c'est un Mad Bull que je suis en train de refaire. Pareil, il est passé entièrement aux ultrasons. Il est tout propre. Je suis en train de repeindre la carrosserie. Oh, il est beau. Propre, ouais. Non, le châssis. Oh, est quand même... le vieil AQ 2400 Sanyo. Voilà. Les... ah, je roule encore avec mes antennes de ma radio FM, les AQ NIMH, les variateurs et les moteurs à charbon. Hein. On change pas une équipe qui gagne. Un vrai collection. Ça, c'est, là, c'est vraiment de la restauration. Je l'ai acheté, il était dégueulasse. Et puis, je le refais propre. Ça, c'est un Dyna Blaster. Bon, c'est pas la bonne carrosserie dessus. Hein, ça, c'est pas... Ah donc, oui, ça, c'est le... autocollant X-Ray. Oui, oui, non, ça n'a rien à voir. Et pareil, là, c'est un châssis qui est en cours. C'est la version Truggy de la Dyna Storm. D'accord, il y ça avait un Truggy. Ça s'appelle Dyna Blaster. Dyna Blaster, c'est exactement le Truggy le même de la Dyna Storm. Ouais. Moins bien équipé. Des amortisseurs en plastique. Une baignoire plastique. Bon, il y a un petit, petit clin d'œil à Nero. Tout à fait. Le moteur rose. Le moteur rose qui est important à avoir. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que ce fameux moteur rose? Ah bon, on va le montrer après quand tu vas nous ouvrir ta petite mallette. Ouais, pas de souci. Voilà. Quelques voitures, je suis des années où j'ai joué sur Gran Turismo, donc il y a pas mal de voitures japonaises que j'aime bien, donc la Nissan Skyline. Ok. Qui est là, que j'ai racheté en très bon état également. La NSX qui est là pour le coup, celle de la mienne à l'époque qui est bien abîmée. Ouais. Mais voilà. Ok. Et après des voitures, là pour le coup la partie civile, j'ai une BMW E30 comme ça. Bon là elle est toute sale, et la voiture est pas ici parce qu'elle est rangée dans un garage, mais voilà. La 406 de taxi qui doit être refaite également, que j'avais faite à l'époque et que je refais aujourd'hui propre. Une Golf parce qu'il fallait que je trouve une carrosserie pour le châssis traction, parce que c'est mon premier châssis traction avec un FF01 qui est actuellement aussi en cours de restauration. D'accord. Retrouver les pièces qui manquent, etc. Bon, on n'a pas les bonnes jantes encore, mais ça ne serait tardé. Alors, si vous voulez contacter, parler personnellement à Charles, rejoignez le serveur de la chaîne Tony RC sur Discord. Sur le Discord. Et il s'appelle Charles. Charles Merlène, c'est mon pseudo partout, donc pour le coup, ouais, c'est assez facile. Le chercher dans l'essai. La Mitsubishi Lancer que j'ai acheté pour accompagner la Subaru. Ok. C'est le TB01, pareil, châssis d'occasion, très bon état, la boîte, la carrosserie, peinte dans la version box art. Avec des pneus rallye. Ouais, les pneus rallye, ouais. C'est le premier châssis rallye de Tamiya. Ah ouais? TB01, ouais, ouais. Ça ressemble à un TT01, mais après on n'a pas fini, hein, si on ouvre tous les châssis. Non, mais... Dans 5 heures, on y est encore, hein. Préparez-vous. Là, on fait une vidéo de présentation. Et là, pareil, c'est un châssis que j'ai acheté d'occasion, il a quand même pas beaucoup roulé, quoi. D'accord. Ah oui, ça ressemble à un châssis un peu comme le TT01. C'est très proche d'un TT01 dans la construction. Une cellule avant, une cellule arrière, un arbre central, un moteur à droite. Par contre, on est sur des trains roulants avant et arrière de TGX, donc la version thermique de Tamiya. Oui. Et donc, les cellules sont connues pour être indestructibles, ce qui va très bien pour l'époque. Ah cool. Donc là-dessus, ça peut encaisser pas mal de puissance parce que c'est un châssis dérivé d'un châssis thermique de Tamiya. Il faudra la ressortir celle-là quand on fera la piste rallye au RC Park. Tout à fait, avec. On va bientôt voir le jour là. Ici c'est le XV01 avec ma vieille carrosserie de. Alors de là, Subaru, là hein, qui a été découpée. Elle a été découpée pour du thermique. Tout à fait. À l'époque. À l'époque, il y avait la tirette qui dépassait le réservoir. Et là, quand on roule. Celle-là, elle a vécu. Voilà. Donc, oui. Pour aller avec Taxi 2. Il y avait la 406 et il fait la course ses débuts avec une 306. Ah alors, ça c'est collector maintenant. Voilà, donc aujourd'hui ça c'est collector. Une 206 également pour accompagner la 306. Et comme ça, j'ai la série. Aussi, très belle. Ouais, carrément. Enfin, juste en sans une qu'on voit la carrosserie complète. Donc ça, c'est un TA03 FS. Tamiya s'embête toujours à faire des châssis qui ressemblent aux voitures, c'est-à-dire qu'on est sur un 4 roues motrices, moteur, position centrale. Un peu haut pour moi. Désolé. Hop.
Et donc pour le coup, ah, Delecourt, François. François Delecourt, ouais, voiture du français. Et donc là, on est sur un châssis qui a roulé, mais qui est en empattement court. On a un empattement plus court, ce qui permet de pouvoir pivoter. Voilà. Ouais, une courroie et le moteur à l'avant. Moteur à l'avant, barre anti-roulis fluo. Voilà, c'était ça, c'était à l'époque, c'était là. Ouais, ce qu'il fallait avoir. Donc ça, c'est. Et barre anti-roulis fluo, c'était une option Tamiya. Tout à fait. Moi, ouais, j'ai principalement mis que des options Tamiya sur toutes mes voitures. Alors en dessous, on passe à l'étage des Merco. Des Mercedes qui ont, elles ont toutes pas très très longtemps. Celle-ci qui est une version jouée de chez Tamiya. Alors comment t'appelles ça la version jouée? QD Quick Drive et c'est une version S QDS. Donc c'est livré avec une pour enfants avec une petite télécommande. Donc, d'accord. Même pour nous, c'est tout petit, mais c'est bien pour la petite main des enfants. Okay. Ça se rapproche d'une Nikko, hein. On n'est pas très loin avec un châssis tout plastique, mais c'est bien du Tamiya. Et l'avantage, c'est qu'on a une carrosserie qui est peinte et décorée par Tamiya, donc il y a quand même une bonne qualité. Il n'y a pas tous les stickers et on pourra faire la comparaison avec la tienne. Eh ben, écoute, ça pourrait être intéressant. Avec plaisir. Voilà. Il n'y a pas de rétroviseur, etc. Oui, mais il y a un bon pare-choc qui dépasse et ça, ça permet d'éviter ouais. que les enfants abîment. La Mercedes classée que je souhaitais avoir parce que je l'avais en plus petite à l'époque. Qui a l'air neuve là. Elle est neuve. Hein, ouais. Je suis en train de finir de peindre. Et pareil, le châssis a complètement été. Donc il y a des jantes en plus. Donc, j'ai dû retrouver les jantes. J'ai retrouvé. Voilà. Donc on a. Et pareil, ça c'est un châssis que j'ai acheté et qui est en rebuild complet. Nettoyé, changer les pièces HS et pouvoir rerouler quelque chose de cohérent. Alors, ça c'est quoi le modèle de châssis, t'as dit? Ça c'est un. Alors que je me trompe pas sur celui-là, on est sur un TA02. D'accord. Alors moi, je crois qu'il y a tellement de rêves de châssis, ouais. Je ne connais pas tout, même si depuis que j'ai rencontré Hubert il y a deux ans maintenant, ouais. Deux ans et demi, j'ai commencé à comprendre un petit peu les références de châssis. Donc il y a eu le Top Force qui était la version 4x4, ils ont fait un TA01, et ici ça c'est un TA02, c'est la même chose mais avec un... Avec des trains arrière un peu plus loin, on voit que les cardans sont très en V. Hein. Wow. Totalement. Ah, c'est ouais. assez surprenant pour l'époque et ouais. ça apporte un comportement. Et ce qui est rigolo, c'est ça aussi, c'est un variateur récepteur Tamiya. Tu peux mettre ta main à côté là parce que oui, il est énorme. Fait récepteur énorme. Et variateur. D'accord. Et nos limites. Ah oui, non, mais tu peux monter vraiment... du 12 tours dessus. Ah oui. Ouais. D'accord. Et là, donc là, c'est la version avec un châssis en FRC. Ça se vend encore, ça? Non, ça existe. Non, ça existe plus. C'est les CPR Unique, il y avait eu plusieurs versions. Alors, je peux vous dire que sur la chaîne Tenir C, quand on fait des lives qui parlent de Tamiya, on est content d'avoir Charles dans le Discord parce que c'est une bible, la bible Tamiya. J'aime bien la marque. Alors, c'est notre Tamiya Base, mais en direct. Oh, c'est une bonne source, Tamiya Base. Donc là, pareil, c'est une... Donc celle-là, elle vient du Japon. Petite dédicace à David, hein, Zen Market. Donc, ah oui, ouais, c'est grâce à David et aux astuces de David de Toulouse. Donc carrosserie qui vient du Japon. Magnifique la carreau. Avec, ouais, franchement, elle est super belle. Avec les pilotes montés à l'intérieur. Et elle est d'époque. C'est pas une réédition. Elle a pas été rééditée celle-là. Elle est en bon état. Hein. Ouais, franchement, ils ont fait du super bon lot. Il y avait juste la grille qui n'était pas peinte, donc je suis en train de la peindre et j'essaie d'en retrouver une. Je me souviens bien de cette voiture-là. Ouais. Ouais. Et donc là, pour le coup, c'est le même châssis. Mais le même châssis. C'est pas, c'est le même châssis. Même idée de châssis, mais avec une baignoire plastique. Pareil, lui, il est en rebuild. J'attends quelques pièces pour finir. Et ça, toute cette transmission-là, ça me fait penser à ce que j'ai monté sur la vente, les graisses. Ouais. En fait, on sent qu'on est dans l'héritage. Totalement. Bah, je vais pas monter, je dis des bêtises. La vente. Voilà. Non, tu vas encore monter les graisses. Donc voilà, après là, on a une petite spécificité chez Tamiya, une carrosserie... pas trop ressemblante à la réalité. Non, c'est ça, elle fait pour plus, la performance. Plus jouée. C'est une Toyota MR2, donc ça reste quand même une Toyota, etc. Mais elle est un peu difforme et elle n'est pas à l'échelle. Normalement, il aurait plutôt dû la faire en même châssis. Et c'est un TA04 short. Donc en fait, il est à empattement court. Donc la baignoire est la même, mais il y a les triangles avant et triangles arrière qui sont plus courts. Donc ils remontent pour réduire l'empattement. Effectivement, les triangles sont très près. Et là, pour le coup, c'est pas, c'est un V dans l'inverse. C'est un. D'accord. On voit bien. Et donc ça, c'est pareil, ça apporte un comportement routier différent d'un châssis à empattement long. Eh ben, t'en as des avec châssis. Avec une carrosserie pattern carbone, hein. C'est assez rigolo. Oui, elle est belle. Ouais, elle est belle. Sympa, c'est la forme à l'avant qui fait un peu simpliste sur les phares. C'était pas dans l'habitude de Tamiya. Totalement. Voilà. C'est plus orienté performance que maquette, hein, sur ce genre de modèle. Et oui, on a bientôt fini le tour de la collection, là. Ouais. Donc, l'étage du dessous. L'étage du dessous, on arrive sur les M châssis.
C'est classé. Hein. Donc ouais, on essaye un petit peu d'avoir une cohérence. Un copain, j'ai récupéré d'un copain une mini. Alors le châssis est en dessous, mais il manque les roues. Ça c'est le tout premier, le M01. M01. Voilà, donc il est un petit peu encore roulant et qui a été rafistolé de partout, mais qui roule encore. Avec la carrosserie typique, typique de la mini. C'est pas la Monte Carlo, mais j'adore, mais j'adore. Ouais, c'est rigolo, c'est mignon à voir rouler. Je l'ai cassé à un moment, donc j'ai retrouvé un autre châssis M châssis, mais là pour le coup on est sur un M03. Donc un châssis, oh, marrant, toi. Donc ça ressemble beaucoup à ton châssis du M05. Hein. On est moteur central avant avec une poutre centrale. C'est la couleur grise comme ça. Là, la couleur grise du châssis, la 306 était avec un châssis identique. D'accord. Un peu plus rallongé, ici tu peux mettre des rallonges pour rallonger le châssis en fait, okay, avec des voies plus larges. Okay. Donc ça c'est pareil, je l'ai essayé chez Hubert il n'y a pas longtemps en traction sur la piste. Une petite Alfa qui était sur le bon, une petite Alpine. L'Alfa c'est juste après. Une petite Alpine qui était sur le bon coin, qui a été bien découpée pour mettre des grosses roues. Ah ouais, la c'est carrosserie, malheureux. La carrosserie, c'est dommage, un peu malheureux. Les belles ailes à l'arrière. Ça fera un bon runner. Je pourrais rouler avec sans trop. Je pourrais rouler avec sans trop de risque. Elle est abîmée et puis c'est pas grave. Par contre, c'est un châssis rigolo. C'est le même que le M01, mais inversé. Ont vraiment. C'est le même châssis. Il suffit avec le châssis M01, tu peux faire un M02 et inversement. Les châssis sont totalement symétriques. Et là, pour le coup, on est sur une propulsion. J'ai pas encore eu le temps d'essayer une propulsion. Bon, elle est pas encore nettoyée, etc. Elle était, je pense, de l'époque, elle a dû rouler en compétition avec le Quick Release. Mais tu m'as dit que t'avais, ah oui, tiens, c'est beau, ça. Ouais, c'est rigolo. Pour les compétitions, tu changes ça, rapidement. Ça, c'est quoi? C'est de la fabrication maison? Non, non, c'est une pièce Tamiya. Alors, ah oui, petite question. Dans toute la collection de Charles, laquelle préférez-vous? Charles veut savoir. Mettez-le en commentaire. Dites-le nous. À tout de suite. Et donc, bah, voilà, on va la voir. Elle est là. Voilà. Donc, on a une petite carrosserie d'Alpine que je vais pouvoir remonter dessus. Si j'arrive à avoir une Jägermeister, on fera peut-être une Jägermeister. D'accord. Là, il y a d'autres carrosseries que j'ai récupérées. Ça, c'est une Opel que j'aime pas trop, mais pareil, ça fera un bon runner pour prêter. Une BM, une Nissan, la R8, effectivement. Les deux Hummers avec le projet de refaire les Hummers en mode crawler. Voilà, et après donc la dernière M châssis, Alpha. Une Alpha du. Je vois que t'as la calandre. Alpha, oui, tout à fait. Giulia Sprint GTA. Et en fait, il a beaucoup de voitures où il y a les calandres qui sont dans sa main. Voilà, regardez. Non mais je suis en train de les peindre. Encore hier soir avec pendant le live, j'étais en train de peindre. Il s'est dit, ma calandre. Merde, il y a Tony qui vient, je me dépêche. Non, ça fait quelques semaines que je fais ça. Tu peux nous montrer la carrosserie de l'Alpha entièrement? Ouais, elle a pris. C'est la voiture du mafieux, hein, elle est toute noire, etc. Ah, j'aime bien. Vraiment, une Alpha, c'est rouge pour moi, c'est une italienne. Ouais. Mais pour le coup, elle est assez rigolote et pareil. Le châssis, par contre, là, j'ai récupéré. Il était neuf de chez neuf. Oui, la personne a remplacé toutes les pièces. D'accord. Malheureusement, il l'a mal monté, donc il a cassé certaines pièces assez rares. Donc, Ouais. Il a mis du frein filet partout. Il ne fallait pas. Ah d'accord. Ok. Voilà. Et tu nous as pas dit là, je viens de voir que tu avais encore une voiture noire là-bas. Une voiture noire, un Monster Beetle que j'ai acheté il y a pas longtemps. J'hésitais entre ça ou un Blackfoot. Hop. Ça, c'est une mini carrosserie. Pareil, il est en rebuild complet. J'attends des pièces parce qu'il manque la transmission. C'est une occasion. J'aime bien acheter d'occasion. Et retaper. Retaper, rechercher les pièces. Donc là, il manque vraiment tout le train arrière. Il a été démonté. Je suis en train de le nettoyer. Et donc là, il y a de la saleté. Il y a de la saleté. J'ai acheté les stickers. On va refaire dessus un petit truc rigolo. Et ça te revient pas plus cher d'acheter de l'occasion et de retaper? Pour moi, non. Si c'est un bon prix d'achat d'occasion, c'est intéressant. D'accord. Et j'ai pensé à toi. Il y avait un Futaba MC112B dessus quand je l'ai acheté. Caché en dessous. Alors qu'ils avaient laissé le variateur d'origine. Il faut savoir que le Futaba M612B, ben, je crois que c'est un des premiers variateurs que j'ai eu dans ma vie. Voilà. Ouais. Donc principalement que des modèles qui roulent, des modèles en restauration. C'est quoi ça? Ça, c'est un TXT1 que j'ai acheté pour un copain. C'est un Bigfoot Tamiya. Ah oui, c'est Tamiya. C'est Tamiya. On est sur un Bigfoot. Va pas très vite. Deux moteurs. C'est le dérivé d'une Juggernaut, mais beaucoup plus. On fera un petit topo sur les Monster Beetle, je pense aussi. La partie avec les outils. Avec un petit clin d'œil à un ancien magasin de la région du Nord, JD Modèle. Voilà. Chez qui c'était le premier magasin où je suis allé. Également, pour ma part. Oh tiens, c'est quoi ça? On dirait une console, mais c'est quoi? Alors. Mais ça, c'est marqué TRF dessus. TRF Tamiya Racing Factory. Et donc, pour le coup, on a une petite collection de moteurs sympa. De très emblématique de Tamiya. Alors vite fait, tu peux citer ceux que tu l'Acto Power Rose qui est très connu, qui était spécial pour les deux roues motrices, donc
off-roader de On wheel va dire drive. ça comme ça. Lactopower Formula One, qui était spécifique aussi pour les Formule 1. Le Dynarun Super Touring pour les voitures de piste. Rien à voir avec Dynastamp. Non, non, mais c'était l'époque où ils avaient Dyna. Dyna, c'était la dynamique. Il y avait Dynatech. C'est toute une gamme de moteurs. Le TRF Tuned, qui est un moteur magnifique, très haut de gamme de l'époque pour Tamiya. Et qui marche d'enfer, qui est un 13 triple. C'était un des moteurs les plus puissants pendant très longtemps chez Tamiya. Le Super Modified, qui était la version piste du 11 tours à l'époque du TA04. Donc ça, c'est des années 2000. Ça, c'est un que j'ai récupéré, un Dirt Tune, donc c'est un moteur plus basique. Et ici, c'est un Dynarun Super Stock. Donc c'est pareil, c'est un moteur. Noter qu'il n'y a pas de faute de goût, il n'y a pas d'autre marque que du Tamiya. Non, bah, c'est parce que j'aime bien. Après, on cultive un peu ça. Donc, Alors, les petites bombes de peinture. Là, la collection Les Bombes Tamiya. Encore un autocollant Tamiya. Le garage. Ça, c'est le garage de voitures miniatures. J'en avais marre qu'elles soient stockées n'importe où. Voilà. C'est des 1,43e. C'est des 1,43e, celle qu'on a. Donc, il y a des voitures que j'ai eues au fur et à mesure des années depuis que je suis tout petit. Alors, j'ai voulu créer un parking souterrain sur plusieurs étages. Regardez ça, comment c'est beau. C'est basé sur des étagères IKEA améliorées. Pas bien, mais au fond, tu as fait un mur de briques. Tout à fait, un mur de briques en impression 3D. Des plafonds LED. Totalement, j'ai incrusté des petits bandeaux LED qui s'allument et s'éteignent en même temps que mon garage. Et avec bon, pas mal de petites voitures que j'aimais bien quand j'étais petit. Et c'est mieux que de les laisser dans un tiroir. Quelles sont tes deux voitures préférées? Je crois qu'il y aura quand même ma BMW. Donc c'est ce modèle-là, une E30. Donc c'est les modèles vraiment très agréables. C'était la voiture de mon grand-père. Et après, bon, j'aime bien quand même la Mehari. Hein. La Mehari, là-bas, il y en a plusieurs. Également d'une Mehari, donc, en vrai. Ouais. Pour le coup. Et puis il y en a encore une là. Il y a la Coccinelle qui est là. Donc, les Fiat 500. Mehari que tu mets en location pour des mariages, je crois. La Mehari et surtout la Coccinelle. C'est la Coccinelle cabriolet comme ça. Ouais. Qui est une couleur bleu ciel. Que mes parents la ont. La même quoi. Voilà. Mes parents ont 2 ans avant moi. D'accord. Alors, les carreaux. Bon, c'est que de l'exposition là. C'est juste pour. C'était la première partie de l'expo avant que j'investisse le fond du garage. Carrosserie Protoform, je crois que c'est la seule que j'ai eu à l'époque, typée plus performance, décorée par un peintre à l'époque, en 2003. On a regardé tout à l'heure la date qui était inscrite dessus. Le peintre que tu as trouvé chez JD Model. Tout à fait. À l'époque, je n'osais pas peindre moi-même. Maintenant, c'est bon. Ça a été acheté en Allemagne, en mémoire de mon autre qui est là-bas toute cassée. Donc, pour le coup, j'en ai retrouvé une en très bon état, version Box Art. La Nissan Skyline Penzoil de Gran Turismo 2, c'est celle-là avec laquelle j'ai beaucoup roulé sur le jeu, donc bah, pour le coup à l'époque je l'avais acheté, et pareil elle a pas beaucoup roulé. L'époque Fast and Furious où j'avais fait un projet de créer moi-même la voiture de Brian O'Connor dans Too Fast, Too Furious, dans la lignée des voitures de cinéma. Et puis là une classique. La Subaru, la première que j'ai eue, qui était elle est belle, cassée, celle-là. Ouais, et là je l'ai récupérée et j'ai remis des stickers dessus, tout neuf. Donc là oui, il manque le. Donc ça c'est des stickers réplica sur une Je verrais bien ce bleu-là sur l'Alpine, moi. C'est ce bleu-là. Ouais, parce que ton Alpine était. Et alors ici on a un châssis compète. Donc un TRF 415 MS. Bon, j'ai mis la référence dessus parce qu'à chaque fois il faut que je trouve la référence, les pièces. Et pour le coup, je peux pas rouler encore avec parce que j'ai pas trouvé de solution pour mettre mes accus stick. Même s'il existe des solutions et pour l'instant il a pas roulé, je l'ai acheté d'occasion dans cet état. Pas beaucoup roulé, quelques rayures, mais c'est vraiment pas grand chose. Et là on est vraiment sur un châssis compétition très léger, que du carbone et de l'alu. Et donc là on termine sur une voiture purement de loisir. Que je conseille à toute personne qui souhaiterait commencer, comme Hubert l'a dit, le Racing Fighter ou Neo Fighter. Châssis DT03, très simple. Et on va retrouver la même architecture que sur la Dynastorm. C'est-à-dire un angle de châsse très important sur les roues avant. C'est-à-dire que quand les roues pivotent, on a beaucoup d'angles. Un châssis poutre central avec la batterie en longitudinale. Bon, je peux enlever. La batterie à l'avant se met dans la partie longitudinale du châssis. Okay. Et un moteur en position porte-à-faux arrière. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu parce que je trouve que c'est vraiment ça l'âme de la RC. C'est ici on est sur un collectionneur qui a vraiment adoré une marque et si vous aussi vous avez des choses comme ça à montrer, n'hésitez pas à les montrer parce que on est dans le partage sur la chaîne Tony RC. Totalement. Donc merci Charles. Sur la passion. Et venez partager ça sur notre serveur Discord qui est en description de toutes les vidéos. Bonne journée à vous. Au revoir. Et pensez à vous abonner à la chaîne et à mettre un pouce.